attractif pour ce stade. Magnifique. On y est, les derniers instants avant les débuts de cette phase de groupe. C'est pas trop tôt. On sent les deux équipes vraiment impatientes, comme si elles avaient envie d'en finir au plus vite avec ce premier match. Et avec une victoire, c'est possible. C'est donc parti. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous? Je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour désigner le Français Karim Benzema. J'adore l'énergie qu'il met dans son jeu. Il n'est pas du genre à fuir le combat. Et en plus, il est très adroit. Il devrait donner des sueurs froides à la défense adverse. Je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Christensen. Tomori. Il change d'aile. Vinicius Junior. C'est bien donné. C'est une occasion, ça! Oh, ce ballon perdu, le joueur coûte très cher. Il va se faire secouer par son entraîneur, là. Cette perte de ballon aurait pu le coûter cher. Bien, la profondeur. Dans l'axe. Jusqu'au bout. On a failli voir un but magnifique. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. C'est joué court à deux. Corté. Et ils vont effectuer cette touche. Le Real Madrid qui cherche l'étincelle. Oui, il peut frapper là. C'est dommage, j'étais bien parti. Comptez seul face au Benzema. Oh, but! But pour le Real Madrid! Quel raid solitaire, d'autant qu'il était sous pression là. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Et ça fait donc 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Transversale, d'une aile jusqu'à l'autre. La passe dans la profondeur, dans la surface. Rien à dire, c'était trop. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. Chelsea utilise ses latéraux pour les ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige le adversaire direct à redescendre d'un coup. Plutôt malin. Le centre. Il fait trop court pour récupérer. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ziyech. Cette possession un peu stérile. Jorginho. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Tomori. Christensen. Kanté. Marcos Alonso. Un très long ballon. Oh,
Et c'est intercepté. Un long ballon vers l'avant. Jorginho. Il décide d'allonger le jeu. Pulisic. Avec Marcos Alonso, il s'impose physiquement dans ce duel. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça, c'est une interception parfaite. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire mono au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le Real Madrid qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Il cherche son coéquipier. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué dans l'espace. Azpilicueta qui est bien placé. Allez, la tête. Modric. Vinicius Junior qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Vinicius Junior. La tentative. Un peu d'oxygène pour sa défense. Toni Kroos qui cherche à construire. Il peut tirer. Il est intervenu. Tant qu'on le garde dans au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Le ballon a franchi la ligne. Toni Kroos. Hazard. Hazard qui choisit le côté gauche. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Occasion peut-être pour Benzema. Une très longue passe. Toni Kroos. Modric. C'est joué. Oh, l'occasion. À côté. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Toni Kroos, ça joue long vers l'avant. Quelle solidité. Toni Kroos, et petite faute là. Quelle passe. Il combine parfaitement. C'est joué long, attention. Et il prend sa chance. Et oui, but. Le break est fait, deux buts d'écart désormais. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et c'est donc son deuxième but dans cette compétition. Le Real Madrid vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Kanté.
Terzic. La relance, côté droit. Casemiro. Peut-être l'occasion pour Hazard. C'est bien fait, ça. Il était vraiment fort dans cette attaque. Un grand dégagement le plus loin possible. Et ils essaient de repartir de derrière. Plus que 10 minutes dans ce match. Peut-être une occasion pour Hazard. Ça doit faire but. Le bon ballon. Ce ballon bien dosé. Voilà, ils insistent dans l'axe alors qu'à mon avis, la solution est plutôt sur les ailes. Chelsea qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'ils se méfient énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous savez. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Eh bien, moi, ça me surprend qu'il ait attendu aussi longtemps. Il attendait peut-être une réponse de ses joueurs, mais visiblement... Il aura eu marre d'attendre. Ziyech. Azpilicueta. Mendy. Qui est récompensé de son pressing. Et le ballon qui est remis dans l'axe. S'il le trouve. Chelsea qui effectue donc un nouveau changement. Batshuayi qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Ça joue à gauche. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Voilà un bon départ avec ses 3 points mérités. Ça va leur donner énormément de confiance pour la suite. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Moi, je trouve qu'ils sont parfaitement rentrés dans ces...